né d'une famille de 17 frères et sœurs. Un peu bûcheron, un peu cultivateur. Louis fut policier, haltérophile et tavernier. Dans les camps de bûcherons à 13 ans, il était déjà tout puissant. Il avait les cheveux longs pour ressembler à Samson. Fort comme un train, plus de 300 livres, un coup gros comme ça, c'est vrai, je te le dis. Bâti pour renverser des titans. Louis Cyr, l'homme le plus fort de tous les temps. Louis, un vrai larron en foire, soulève 6 hommes dans une baignoire, 2 autres sur une porte de grange. Un wagon qu'il pousse se dérange. Ses exploits épatent la galerie. En Europe, aux États-Unis, il se promène de ville en ville avec sa petite troupe en famille. Bâti pour renverser des titans. Louis Cyr, l'homme le plus fort de tous les temps. Il affronte le géant Beaupré, qui s'écroule du haut de ses 8 pieds. Tant d'exploits restent inégalés. Louis est un peu fatigué. Fait qu'il se repose à Saint-Jean-de-Matin, où autrefois il épousa Mélina, sa tendre moitié, qui fut toujours à ses côtés. Bâti pour renverser des titans. Louis Cyr, l'homme le plus fort de tous les temps. Bâti pour renverser des titans. Louis Cyr, l'homme le plus fort de tous les temps. Merci.